Et bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur Scarlet Nexus. On est sur PS5, on vient de battre notre deuxième boss. Premier vrai boss, on va dire, le boss tuto ne compte pas vraiment. Et on est toujours bien hypé par le jeu. Alors, il y a un petit point jaune là. Bon, bah, je sais pas ce que c'est, mais... Ouais, il est peut-être plus haut. Alors, faut aller où? Et salut, coucou! Alors, quel est l'objectif? Faut aller où? Est-ce que je peux me déplacer ici depuis la carte directement à la me téléporter là? Carte du monde. Ah, c'est ça, faut juste. Rue principale, faut retourner dans la rue principale. Ça va, ça va. Comme tu le vois là, je suis en pleine découverte sur Scarlet Nexus. Et le jeu est très agréable. あれ、ユイト今後は上から直接命令が送信されてくるわ。出撃命令に拒否権はないの。所定の時刻に所定の場所へ向かい、命令を遂行すること。討伐任務と実地訓練は自由参加よ。余裕があれば積極的に参加するといいわ。あら、セト。スメラギのお坊ちゃまか。なんだ感じ悪って。 あ、ナオミちゃん。お、ナギさんにユイトさん。あ、ナオミに重ねもお疲れ。今日か。そっちも新兵の訓練か。そうなの。今年も可愛い子たちが入隊してくれたから頑張らないと。うちのもみんな生きがいいぜ。いや、重ねだったな。 訓練はどうだった？それなりにやれたと思います。そいつはよかった。重ねちゃん、もしかして。どうしたの、ナオミ？あ、ユイトさん。いえ、怪我はありませんでしたか？え？ああ、うん。おかげさまで。さっき。 ヒムカテレビでユイトさんの中継を見ました。初陣とは思えない活躍で、かっこよかったです。え？あ、ありがとう。強化招待のみんな、班長以外は解散でいいわよ。班長は私と一緒に本部へ来てちょうだい。うちも同じだ。 Non, tu verras, c'est un merde. Nani. Orétachi, ナオミがいるでしょ。あなた頭でも打ったの。変わってるわね、あなた。でも超能力はまあまあだったと思うわ。頑張って。あ、うん。ありがとう。お話はもういいの？隊長、彼をどう思いますか？彼って、ユイト？そうね。 詳しいことは知らないけれど、カレン連隊長が目をかけているって噂を聞いたわよ。そうですか。これだけじゃお姉ちゃんにふさわしい男かどうかはわからないわね。さあ、本部に行きましょう。遥かに帰投報告しないと。重ねちゃん、一緒に行こう。僕はここで失礼する。 重ねはユイトが気になるの？いえ、
Hey. Comme tu peux voir, il y a beaucoup de dialogues. C'est un petit action RPG par l'équipe qui a fait Code Vein. Et il y a beaucoup de dialogues. En tout cas, pour l'instant, c'est le tout début du jeu. Alors, faut aller vers la base. On va aller par là. Faudrait que je vérifie le studio, hein, si c'est... Non, c'est pas les mêmes qu'on fait Astral Chain, parce que Astral Chain, c'est Platinum Game, les mecs qu'on fait Bayonetta. Et pourtant, je ressens tellement de Astral Chain dans ce jeu, c'est assez incroyable. Alors après le boss, on va faire une petite sauvegarde. Hop là. Les graphismes sont très sympas. Il y a un animé qui va sortir en même temps que le jeu, là, sur Wakanim. Donc ça peut être vachement sympa de suivre les deux en parallèle. J'espère que l'anime, si tu le regardes, ne va pas trop spoiler le jeu. J'espère quand même qu'ils ont fait une histoire un peu différente. Mais en tout cas, ouais, ça donne bien envie. Ora, Kodama. Mizuhagao ni itan ja nakatta no? Sakki modotta no yo. Kyouka wa shinjin no aite.京香、ご苦労様。君は面倒見がいいから、新入隊員たちも安心だろう。吹雪連隊長にそう言ってもらえるなんて光栄だわ。重ねと直美だね。最初の任務にカラスが湧いたそうで、すまなかった。なぜ吹雪連隊長が謝るんですか？そっちに向かったカラスたちは、もともと嵐姉さんの番記者だからね。なんとなく、申し訳なくて。 そうですか。訓練生時代の成績は知っている。二人とも素晴らしい超能力の持ち主だね。いろいろ外野がうるさいかもしれないが、振り回されず頑張ってくれ。期待しているよ。よかったわね、二人とも。はい。頑張ろうね、重ねちゃん。よかったの。だって、吹雪連隊長はセプテントリオンの軍に盗難だよ。 そんな人に期待されるってすごいことだよ。ウィファ。そう。お姉ちゃんを認めてくれたのなら、吹雪連隊長のいい人。いいだしょ、とりあえず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 、
C'est quoi ces bâtiments là? La gravité n'est pas vraiment respectée par ici. Bienvenue à bord, Kasane. Je suis ravi qu'on soit dans la même équipe. Je sais que Naomi compte beaucoup pour toi, mais n'oublie pas de penser à toi aussi. Alors elle a un nouveau pouvoir du coup, duplication. Alors, autant l'électrokinésie, je voyais très bien à quoi ça pouvait correspondre, autant la duplication. Alors dupliquer un item, je comprends, mais je vois pas trop comment l'utiliser en combat son pouvoir. On va essayer ça tout de suite. Bah, je vois pas trop. Qu'est-ce que ça change? Par contre, son pouvoir se décharge très très vite. Par contre, j'ai pas vu du tout à quoi ça correspondait à son pouvoir. Hein. J'ai vraiment pas vu d'attaque particulière. Une gelée, cool, une potion, ça m'en fait une de plus. J'en manquais, ça tombe bien. Une attaque qui détruit le point faible de l'ennemi et l'élimine en un coup. Sous sa jauge, je sentais l'ennemi à une jauge de pression. Faites-la diminuer et une icône apparaîtra. Ok, appuyez sur L2 pour exécuter une pression cérébrale. Les enchaînements de ruée et de psychokinésie sont très utiles pour vider la jauge de pression. Toutefois, agissez vite ou l'ennemi reprendra ses esprits. Ok, par ailleurs, les ennemis immobilisés dont la jauge de pression est vide ne peuvent être éliminés qu'avec une pression cérébrale. Vous obtiendrez toujours au moins un objet lorsque vous éliminez un ennemi avec une pression cérébrale. Ok, donc faut réussir à éliminer à enchaîner les ruées et les attaques télékinésiques. En gros, pour vider leur barre d'endurance, en gros quoi. Tac, par exemple, si je fais ça, tac, 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 et que j'enchaîne par dégâts, ruée, j'enchaîne, attaque kiné, ruée, ok, et là L2. Ok. Donc on va faire pareil. Tac. Ruée. Tac. Ruée. Ah, j'ai plus de mana. Ok, nous les gros ennemis, ouais, on peut les tuer plus vite grâce à ça que si on vidait leur barre de points de vie, quoi. Ouais, c'est un petit classique du genre. C'est quoi ces trois mecs qui sont là? Ah, c'est elle qui se duplique elle-même, en fait. Ok, ok. T'as pas tout compris, mais tu vas me dire... Non, mais moi, pareil, hein, je le lis à l'oral, et des fois, mais ça se joue plus naturellement que ça se lit ou se décrit. En gros, il y a une sorte de jauge d'endurance... Et l'ennemi, en fait, si on arrive à lui vider sa barre d'endurance, on peut l'achever même s'il a encore des points de vie, en fait. Et c'est juste parce que tu viens d'arriver au milieu du jeu, mais au début du jeu, on t'apprend que t'as un enchaînement, en fait, qui est basique, c'est tu tapes, tu tapes, tu tapes. Tu enchaînes par une attaque télékinésique où tu balances un item sur un ennemi,
Et pendant l'attaque télékinésique, si tu appuies sur attaquer, hop, bah ton personnage va faire une ruée sur l'ennemi. Et en fait, tu peux faire des combos comme ça en fait. Attaque, puis une attaque télékinésique, puis une ruée, puis une re-attaque télékinésique. Et en fait, tu peux les enchaîner comme ça à l'infini ou presque. Et c'est ça qui vide globalement la vie, la barre d'endurance de l'ennemi. Et je me rends compte que dit comme ça, c'est toujours pas plus clair, mais... En gros, voilà, tu vois, c'est ça, c'est je commence, hop, je fais, je tape en combo, tac, 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 j'essaie de balancer un item, je continue à attaquer au corps à corps. Ouais, là, j'ai un peu ruiné mon combo parce que là, ils sont nombreux, mais là, normalement, si je balance un truc, tac, ouais, ça fait que je me suis fait toucher, hop, tac. Bon là j'aurais fait trop de dégâts en fait, ils sont morts mais... Tac. Et d'ailleurs, alors il fait quoi son pouvoir par contre? Duplication, là je comprends pas à quoi ça sert. Ouais, je vois pas à quoi sert son pouvoir quand je l'active. En duplication, je vois rien de spécial. Ah bah voilà. En empruntant le pouvoir de duplication, vous pouvez dupliquer des objets utilisables par psychokinésie. Quand il est activé, les carapaces ennemies sont plus faciles à briser. Et vous pouvez attaquer avec plusieurs objets. Très efficace pour donner le coup de grâce à plusieurs ennemis en même temps. Des effets sont ajoutés au fur et à mesure que votre niveau d'affinité avec Kyoka augmente. Ok. Donc en fait, on active le pouvoir et ouais, voilà. Au lieu de se prendre une bagnole, il s'en prend deux là. Ouais, c'est automatique en fait, on active le pouvoir et on combat normalement quoi, c'est... Ok, bah au moins le pouvoir est simple à gérer. Tac, j'arrive pas à faire des ruées par contre souvent. Tac, je sais pas comment faire carré. Alors, certains autres ont une carapace qui protège leur point faible. Si vous tombez sur un tel ennemi, vous devez briser sa carapace pour pouvoir toucher son point faible et le vaincre. La jauge de pression se vide fortement quand des points faibles sont augmentés. Ok. Donc lui, son point faible est sur son dos, donc faut le faire chuter. Jusque là, pas de soucis. Tac. Alors, j'ai d'abord envie de tuer cet ennemi-là, là, qui me gêne. À faire de ruée par contre. Tac. Ah bah là j'ai réussi ma ruée mais il est mort, bah super. Ok. Hop. Oh merde. Je pensais qu'il était tombé. Je pensais qu'il est tombé, en fait il s'est juste levé. Ok, il est à terre. On profite, on active duplication. Et... Ah bah il est pas resté longtemps à terre hein. Alors j'ai plus de mana. On va essayer de se recharger un peu. Merde, quoi? Il tombe et ça me fait du dégât, quoi. Ok, on active duplication. R2. Bim! Et deux cases dans la gueule au lieu d'une. Ok. Ok, ok. Bon, c'était rigolo. Et salut, salut, petit croc dans le pain. Bienvenue à toi. Ok, bah c'était cool. Je peux passer de l'autre côté, là. Parce que je vois qu'il y a des items, là. Ça veut dire quoi, les points blancs, là, sur la carte hein? Interaction spéciale, ok. Ok, donc je pense qu'il va falloir trouver un moyen d'ouvrir les grilles.
A priori, c'est pas comme ça. Ah bah, pff, ouais, d'accord. Ouais, j'ai cherché un petit peu trop compliqué. La solution était toute simple. C'était vraiment par là? Ah ouais, et on arrivera par l'autre côté après, quoi. Ok. Bah donc le pouvoir de duplication, il est pas mal pour Burst en fait. Hein. C'est les objets qu'on balance qui sont doublés. J'ai une petite tendance à préférer pour l'instant le pouvoir électrique, mais j'avoue que c'est pas mal également. What? Il tire à distance? Et merci pour le follow, Mugiwa. Bienvenue à toi aussi. Merde, avec la boule de feu. Ok. Ça sent la petite arène de boss là aussi. Là, il y a de la place. Ah bah voilà. Cinématique en plus. Eh ouais, ça va, tranquille. On découvre le jeu là. Je suis sur PS5 là, ouais. Alors, en empruntant le pouvoir d'invisibilité, ah ça j'aime, vous pouvez échapper à la vue des ennemis, vous pouvez ainsi s'approcher discrètement du point faible d'un ennemi pour frapper. S'il ne vous a pas repéré, les attaques avec carré ou croix plus carré, les attaques spéciales avec triangle et les attaques de psychokinésie constituent toujours des coups critiques qui infligent de gros dégâts physiques et de pression. Vous pouvez lancer un puissant coup traître qui inflige d'énormes dégâts de pression en maintenant triangle quand vous êtes invisible, puis en relâchant la touche à la fin de la charge. Des effets sont ajoutés au fur et à mesure que votre niveau d'affinité avec Kajiro augmente. Donc un puissant coup en traître en maintenant triangle. Bon, on va essayer ça. Hop, j'ai de la mana. Hop, invisibilité. Ok, maintenant triangle pour lancer un coup en traître. Hop, on charge. Et quand est-ce que je sais que c'est arrivé au bout là? Bim! Tac, tac, tac. Oh yes, là j'ai bien réussi là. Et la charge derrière. Par contre, ouais, il doit être... Il est bien... Je me remets invisible. Tac. Bim. Oula, par contre, il me met très cher. Par contre, je dois pas taper son point faible. Ah merde, il est au sol. Oh putain, c'est long. Non, je pouvais pas esquiver. Quand on commence le raid, on peut pas l'arrêter et esquiver. Ah ouais, mais en combat du coup, c'est dur de...
Allez, une petite duplication. Et on va bourriner le boss. Ah merde, non, il a disparu. Tac. Allez. Donc en fait, c'est ces ampoules là sur les côtés, mais. Oh là, je fais pas gaffe à ma vie là, c'est pas bon. Tac, tac, tac. Non, il a disparu. What? Non, il est tout sorti là, il a pas fait une attaque. Non mais non mais... Je suis à peine relevé. Ah, allez hop, je passe sur kiff là. On va taper droit dans son point faible. Bim. On enchaîne par un R2. En duplication. Allez, bim, bim, un double. Bon, je l'aurais tué. Malheureusement, j'aurais pas réussi à lui faire atteindre le point de rupture. J'aurais pu mieux jouer. J'aurais pu mieux jouer que ça. Je l'ai tué avec son point fait. Je l'ai tué avec ses points de vie. Les gâchettes adaptatives, je trouve rien de spécial. ひとりで覗きに来たらこのありさま。かっこ悪いのなんの。お、それよりうちの隊長を探さないと。俺を助けに来てくれてヤバげな怪異を引きつけてくれたんだ。瀬戸さんもここにいるんですか。そういうこと。悪いけどもうちょっと力を貸してくれ。隊長を見捨てるわけにはいかないからな。Ouais, bonne nuit, coucou, pas de soucis. Donc ouais, les gâchettes adaptatives sont bien optiques. Honnêtement, je le ressens pas trop. Je le sens un petit peu quand je charge le pouvoir comme ça. Mais c'est très très léger. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que comme on les utilise très souvent là dans le jeu, ce serait vite pénible si la résistance devenait trop dure. Et de rien, coucou, hein, je continuerai sûrement le jeu demain. Ah bah, si t'hésites à prendre le jeu, moi je trouve franchement super cool. Ça fait longtemps que j'ai plus un jeu que je trouve aussi bien. Alors, ça fait qu'à peine 2 heures de jeu que je suis dessus. Mais je suis vraiment pris dans l'histoire, les dialogues entre les personnages. Je le trouve assez joli. J'aime beaucoup son système de combat. Donc, pour moi, le jeu est une vraie réussite de ce que j'en attends, en tout cas, quoi. Maintenant, voilà, c'est pas les gâchettes qui vont te faire décider adaptatif si tu vas le prendre ou pas, quoi. C'est. Bah, en fait, il me fait beaucoup penser à deux jeux. Il me fait beaucoup penser à Astral Chain, dans le sens où dans Astral Chain, tu dirigeais aussi un allié. Bon, là, j'en ai deux, mais. Là, R1, tu vois, je peux utiliser les pouvoirs de mes alliés. Et ben, dans Astral Chain, t'étais avec ton personnage qui avait pareil des attaques, une esquive. Plus tu avais un allié comme ça que tu pouvais utiliser ses compétences de la même manière. Donc le niveau du système de jeu me fait beaucoup penser à Astral Chain. Les déplacements en ville d'ailleurs aussi, beaucoup. Et donc voilà, le jeu me fait énormément penser à ça. Alors je sais qu'Astral Chain c'est pas un des jeux les plus connus. Donc je sais pas si ça va te parler, mais en tout cas moi le jeu me fait grandement penser à ça. Pourtant, normalement, c'est pas du tout les mêmes créateurs. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il me semble que Astral Chain, c'est Platinum Game, les mecs qui ont fait Bayonetta. Et que les développeurs de Scarlet Nexus, ce sont les développeurs de Code Vein, qui est une sorte de Souls-like. Non, c'est du pur solo celui-là, normalement.
さすがセプテントリオンね。強化。それに影楼と重ねが。この辺りは危険だ。どうも渡月方面で怪異の数が増えているみたいだぞ。重ね。 やめろやめろ。お前の褒め言葉は何か嘘くさい。重ね、怪我は？あ、大丈夫です。よし、怪我がなくてよかった。あら、良くないわよ。セト、背中から出血してるわ。かすり傷だ。私をかばったせいですね。すみません。いや、 これは俺が未熟なせいだ。気にすることはない。どれどれ。隊長、これはまずいわ。どこかで手当てしようぜ。でもこの辺りは安全とは言えないわ。ルカがいれば転移してもらえるのだけど、あのこの近くにランドールの家が渡月に向かう時に利用していた緊急避難所があります。あそこなら安全です。 今一データを送りますね。あ、こいつは助かるな。隊長、強化お姉様、行きましょう。悪いな。案内します。ああ、ここがランドール家の避難ユニットか。お金持ちは避難所の快適なんだな。いい場所だな。アジトにすれば任務がはかどりそうだ。アジトというのは？ああ、重ねは知らないか。本部とは別に各班が独自に持つセーフハウスのことをアジトと言うんだ。今回みたいに 負傷したけど本部が遠い時とか任務の合間に補給や休息を取るのに使う中継地点よ。いわゆる秘密基地ね。あ、そうだ。今日からここを強化隊のアジトにできないかしら。強化お姉様は時々とんでもないことを言うな。このセーフハウスは民間人の持ち物だぜ。構いません。 ランドールのセーフハウスは腐るほどありますから。それより医療キットがありました。瀬戸さん、治療しますので背中を。かなり深い傷だったわね。治療場所があってよかったわ。すまないな、手間をかけさせて。タサネちゃん、 あんまり人の治療とかしたことないでしょう。何か変だった？いや、たどたどしいというか、なんというか手とか震えてたし、案外普通の女の子なのね。すみません瀬戸さん、手際が悪くてあまりこういう経験はなくて、どちらかというと自分が怪我をする方なので。 姉はこういうのが得意なんですけど。あら、ランドール家のお嬢様はじゃじゃ馬だったのね。いえ、私は幼女なのでランドール家の一員としてカウントされたことはありません。重ね、ごめんなさいね。私余計なことを言ってしまったわ。ま、どこの家もいろいろあるさ。俺なんて渡月からの移民だし、 アダルト入隊だし、まあいろいろ複雑よ。アダルト？大人になってからスカウトされた海抜群ってこと。
志願兵と同じでエリートからはつまはじきだからな。おいおい、俺はカゲロウをつまはじきにしたことはないぞ。だから隊長が好きなんですよ。また調子のいいことを。それより重ね、治療してくれてありがとな。はい。せっかくだからここで少し休ませてもらいましょう。セトの出血が収まるまでは動かない方がいいわ。ラッキー、早速昼寝でもしよっかな。そうだ、因縁の怪異とやらは見つかったのか。それどころじゃなかったんですって。重大怪異2匹に襲われたんだから。そうか。それにしてもお前がそんな調子だったら弁償してもらおうかね。え？何をですか？カレン連隊長からセプテントリオン入りの記念にもらった万年筆を菊池場で落としちまったみたいなんだよ。え？隊長の万年筆ってあのプラチナの飾りがついた高そうなやつですよね。そうそう、それだ。カゲロウの貯金で何とかしてくれるか？隊長、無理っす。ははは、冗談だよ。大事なものだから持ち歩かない方がいいんだが、手元にないと落ち着かなくてな。失敗したよ。ん？どうした、重ね？え、あ、いえ、自分のせいで負傷者が出たのは初めてなので。だからそんなに気にするなって。よし、俺も休ませてもらうぞ。ナオミ・ランドールです。失礼します。ナオミ、わざわざありがとうね。俺の怪我のせいで買い出しをやらせてしまってすまないな。いえ、大丈夫です。このユニットは長いこと使っていなかったので。J'espère qu'on va pouvoir améliorer la planque là. ご不便をおかけしてすみません。ナオミが謝ることじゃないだろう。そうよ、私たちが勝手にお邪魔しているんだから。お姉ちゃん、ありがとう。ううん、カサネちゃんが私に頼み事してくれるなんてすごく嬉しい。ナオミは妹を甘やかしすぎじゃないか。だって目に入れても痛くないほど可愛いんだもん。お姉ちゃん。そいつは良かったな。あら、シデンったら、そんな寂しそうな顔をしないで。私もシデンのこととっても可愛いと思っているわよ。別にそんな顔はしてない。シデン、ここでうまくやっているようでよかったよ。悪かったな、うちの班に転属願いを出してたのに受け入れてやれなくて。瀬戸さん。転属願い、そんなものがあるならお姉ちゃんと一緒に。一緒にどうしようと思ったのかしら。別にこのままでいいのに。Alors, planque a été jetée à la carte du monde. Parfait. Vous pouvez retourner à la planque quand vous le souhaitez. Retourner à la planque vous fera récupérer vos points de vie. Vous ne pourrez pas y retourner si les déplacements sont limités dans la zone où vous vous trouvez. Dans la planque, vous pouvez parler à vos équipiers et leur offrir des cadeaux pour renforcer vos liens. Les intervalles entre deux parties de l'histoire principale sont appelées interludes. Elles débutent toujours à la planque et vous laissent vous rendre où vous le souhaitez. Ah, donc c'est là qu'on va pouvoir lancer les petites missions de chasse là, qu'on pouvait choisir. Si vous voulez progresser dans l'histoire principale, examinez la table qui se trouve au centre de la pièce principale de la planque. Ok, vous pouvez choisir vos coéquipiers de combat en dehors de personnage principal et vos coéquipiers de réserve à partir de l'écran groupe de menu. Des fois j'ai l'impression que le jeu est un peu mal traduit parce que j'ai des fois l'impression que les phrases n'ont pas vraiment de sens. Enfin, il y a un sens, on le comprend, mais c'est pas très français. Vous pouvez paramétrer les pouvoirs d'un coéquipier dans le menu sac. Si vous utilisez le pouvoir d'un coéquipier de combat via le sac, un bonus sera ajouté à la durée d'effet et à la vitesse de récupération de la jauge sac. Alors là, j'ai pas compris. Bon, c'est pas très grave. Alors...
Regarder la télé, parler à ses coéquipiers, on a un point de sauvegarde d'une boutique. Ok, ok, donc on peut parler à tout le monde. Et ben ok, ben on verra tout ça lors de la prochaine vidéo, parce qu'on approche déjà des 40 minutes. Et c'est déjà beaucoup pour YouTube, donc merci à tous d'avoir suivi ce petit let's play. Et à la prochaine, ciao.